Toutes les causes qui ramènent la guerre, c'est des causes perdues. Pourquoi être raciste, jaloux contre la personne qui travaille plus et qui gagne plus Pourquoi Pourquoi tu es contre Le travail est la richesse de Dieu. Travailler beaucoup gagner beaucoup inventé inventer des choses regardez cette radio ici maintenant ce soir je vais vous dire quelque chose peut-être que vous ne le savez pas didier doplech il n'aime pas quand je parle de lui il n'aime pas ça mais puisqu'il n'est pas là ce soir <laughs> je vais parler de lui didier doplech c'est un inventeur c'est un inventeur ce n'est pas seulement la radio ici et maintenant qui donne la parole à toi. Il est inventeur des idées humaines, inventeur de dire et faire dire des choses que personne ne le dit, inventeur de certaines choses. Par exemple, Minitel, vous vous rappelez de Minitel Téléphoner par Minitel, parler, c'est Didier Depleche qu'il a inventé en 1981. À l'époque vous trouvez un article dans le journal Le Monde qui parle de cette invention de Didier Doplège. Mais il est modeste, il ne le dit pas. Il ne le dit pas, il est tellement modeste. Mais il a inventé et il a créé énormément. Animateur, animatrice, il a fabriqué. Et cette antenne libre, actuellement, vous savez combien d'imitateurs il y a dans le monde. Moi, mes amis, une grande partie, ils ont créé leur télévision. Après même, ils ont créé grand euh, live stream. Je vous ai parlé de l'internet. Autre chose que j'ai appris de, de, de Didier, c'était live stream. Avec live stream à l'époque, maintenant c'est payant. À l'époque, c'était gratuit. Avec live stream ou you stream, you stream ou live stream, tu pouvais avoir ton télévision. Maintenant, aussi, tu peux avoir ton télévision. C'est vrai qu'avec YouTube, Facebook, Instagram, vous pouvez avoir tous ces moyens-là. Maintenant, tu es n'importe qui, tu n'importe où, tu n'as n'importe quel moyen, seulement tu as un portable, tu peux avoir ton télévision. Et pour la première fois, moi, j'ai appris de Didier de Pledge. Puisqu'il était inventeur, chercheur, il retrouvait des choses. Après, il n'était pas radin de le garder pour lui-même, il le donnait aux autres. Avant tout le monde, c'était David. Vous savez, pendant un certain temps, quand télévision était gratuit, moi j'avais 35 chaînes de télévision. C'est-à-dire sur 35 noms, je diffusais des choses dans le monde entier. Et après, même avoir titre de portable, où, euh, la pape. On pouvait envoyer des émissions. Un jour, j'étais allé à Los Angeles. Et à Los Angeles, à l'époque, il y avait une dizaine de télévisions perses, 24 sur 24, diffusées par satellite, hotbed et Galaxy dans le monde entier. Le gens, il avait des studios, des patati Je disais, regardez, vous voyez mon portable Ordinateur portable. Oui. Je disais, regardez, je vais mettre dans la roue et je vais diffuser mes émissions. Ils ne croyaient pas. Les patrons de télévision à Los Angeles... Il pensait que je suis en train de me moquer de ces gens-là. Il ne croyait pas. J'ai dit moi ici je parle allez-y dans le studio j'entrais sur l'écran de l'ordinateur par exemple je tape mhrtv.com m h r j'ai dit alors regarde maintenant et moi, je parlais, il regardait dans le pièce à côté, à côté eh, il voyait la télé. J'ai dit, n'importe où dans le monde, on peut nous écouter, nous regarder. Vous voyez, c'est tellement facile. Inventer. Après, soyez créateur. Et travailler. C'est ça le travail. Quand vous travaillez, vous gagnez de l'argent. Mais c'est vrai que ce n'était pas le cas ni de Didier Doppler, ni moi. Hein. On n'a pas travaillé pour gagner de l'argent dans nos idées, dans nos pensées. Jamais. Moi, quand j'étais interviewé par les chaînes internationales très, très connues plusieurs fois, ils disaient oh, chaque minute on paye 50 euros, 40 euros. Je disais non, non, ma condition de parler avec vous, c'est d'être en direct. Mais je ne veux pas de l'argent. Je veux être en direct pour ne pas être coupé, censuré. Mais on n'a pas gagné l'argent de nos idées. De, oh, nos idées, c'était gratuit. Nos idées, c'était gratuit. La diffusion, c'était gratuit. Comme ici, maintenant, on travaille pour vous, maintenant, c'est gratuit. Mais par contre, si on faisait tout ça dans le business, vous voyez, énormément d'argent, on pouvait gagner. Mais, s'il y a d'autres personnes qui travaillent et qui gagnent de l'argent, moi, je ne vois pas être jaloux. C'est la jalousie. Qui crée la haine et le raciste. On pense que l'autre, il a beaucoup d'argent, oh, il a ça, il a ça. Si il a travaillé, il a inventé des choses, il mérite de gagner de l'argent et d'avoir le paradis ici, profiter de vacances, profiter de tous les moyens. Quand tu as dit, tu vas profiter dans l'autre monde. Vous savez qu'est-ce qu'elle dit au Khayyam. Elle dit: "On dit le vin est interdit ici, <laughs> mais dans l'autre monde, il y aura des rivières du vin. Tu peux boire autant que tu veux. Alors si tu n'es pas con, moi, si je suis pas con, je veux dire à cette personne là qui me donne cette information, je veux le dire, le con, Madame, Monsieur le con." Le vin des rivières dans notre monde quand je mourrai pour toi. Mais je prendrai le vin ici et maintenant, aujourd'hui, mais avec modération. Non? Du lait, du miel, d'avoir des femmes, pas 74 ou 70, hein? une femme, un homme pour les femmes. Les femmes aussi, ils ont le droit d'avoir un homme. Hein? Profitez de sa campagne. Je veux le faire ici et maintenant. Je ne veux pas le laisser pour l'autre monde. Tu me dis même 70. Non, non, je veux l'utiliser ici. Alors les choses que tu veux m'autoriser après ma mort, moi, je m'autorise moi-même ici et maintenant. Ici et maintenant. Le paradis, c'est ici et maintenant. Ne tombez pas dans le piège des gens qui fabriquent de vous des esclaves, de travailler comme des esclaves, soi-disant vous allez avoir le paradis quand vous mourrez. Non, vous méritez de gagner votre vie, votre vie, comme il faut, comme tous les gens qui travaillent, ils gagnent de l'argent, regardez. Quelques personnalités du XXIe siècle, qui sont les patrons de certains réseaux. Ces gens-là, ils ont commencé à partir de zéro dollar, à partir de leur garage. Ils sont devenus milliardaires parce qu'ils ont travaillé. Ils n'ont pas dit aujourd'hui je vais être esclave. Travailler comme un esclave n'a pas touché l'argent comme il veut. Ou oh, je vais dormir à la maison, je vais avoir trois enfants, quatre enfants, je vais toucher les, les aides sociaux, ta 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 ta. Et quand je mourrai, j'ai la meilleure religion. Je vais aller au paradis, avoir 70 hommes ou 70 femmes. Je <laughs> ne sais pas si, c si la femme, si ils ont 70 hommes, commence à aller, hein mes amis, soyez sages. Le cerveau que le Dieu il a mis dans votre tête, ce cerveau sert à quelque chose quand même. Ce cerveau, vous devez l'utiliser. Soyez rationnels, pas émotionnels, rationnels dans la vie. Créez votre paradis ici et maintenant. Au lieu d'être jaloux aux gens qui ont de l'argent ou qui travaillent pour gagner, vous aussi, vous les prenez comme exemple, devenez comme eux et allez bien travailler n'importe où, n'importe comment, vous pouvez travailler et vous pouvez gagner votre vie. Il suffit de sortir le matin, de préparer de bons CV. Apprendre de certains métiers, chaque jour vous pouvez inventer un travail. On peut travailler. Surtout si vous êtes jeune. C'est-à-dire, si vous êtes encore jeune, ne vous laissez pas dans le drogue, dans l'alcool, même dans le cigare. C'est quoi le cigare Punaise. C'est quoi 10-15 euros par jour, tu dépenses pour ton. Globe, globe. Moi, vous savez, il y en a mes photos, vous pouvez les regarder sur l'internet. Je fumais la pipe depuis l'âge de 16 ans. 16 ans, j'étais bête. J'ai arrêté à l'âge de 50 ans. À l'âge de 50 ans, après 34 ans de fumée, j'ai arrêté. Le lendemain, j'ai dis tu mes pipes, c'est des souvenirs. Je les garde comme souvenirs. Je ne les fume plus. Je n'ai plus fumé. Voyez, c'est ça la vie, mon ami. Mon ami, tu es en train de gâcher ton argent. Et actuellement, quand vous allez voir un médecin, après 50 ans, première question. Vous fumez Ah, il ne faut plus fumer. Vous bouvez Il ne faut plus boire. Mais vous N'oubliez pas, continuez à bouver un verre par jour, par repas. Un verre, pas plus. C'est bien pour la santé. Mais ne fumez pas. Ne soyez pas drogués. Ne soyez pas esclaves dans la vie. Soyez chef. Soyez chef. N'importe quoi que vous faites. Permettez-moi de vous embrasser toutes et tous. Je vous souhaite pour vous toutes et tous. Plein de santé. Santé avant tout. Après la santé, c'est la joie. Après la joie, c'est l'argent entre les dos. Parce que sans l'argent, santé, heureusement, vous êtes en France, si on vous n'avez pas l'argent, vous n'êtes pas obligé de mourir puisque n'a pas l'argent. Parce que vous savez, dans certains pays, si vous avez n'importe quelle maladie, dès que vous entrez dans l'hôpital, avant tout on vous prend votre carte crédit. Hein? <laughs> si vous n'avez pas votre carte crédit, même vous allez mourir. Hein? Vous saviez ça? Dans certains pays, les gens qui viennent ici criaient, c'est comme ça. Mais heureusement, ici, vous entrez, on va vous soigner. Voilà, la santé est à la sécurité sociale. À la disposition des gens qui travaillent ou je ne sais pas quoi. Après, l'argent, il faut le gagner. C'est très important, l'argent dans la vie, puisque sans l'argent, tu ne peux pas avoir des amis, tu ne peux pas avoir de la famille, tu ne peux pas vivre tranquillement. Ça, je le sais. Je le sais. Pour ça, j'ai conseillé toujours mes amis, depuis éternel, de gagner de l'argent. Ayez l'argent, ce n'est pas un crime. C'est bien. L'argent, c'est bien. Allez.